Salut la compagnie. Salut les amis. Voilà, à lui, voilà. Voilà, c'est la première fois que vous le voyez dans une présentation. Lui, il dit bonjour tout de suite. Damien, tout ça. Non, faut leur dire, de dire bonjour. Je suis poli, moi, c'est bon. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un 48 heures. Déjà bien entamé. Hein, parce que vous savez que, voilà, je fais jamais de présentation au début. Là, on est à la fin de la session, par exemple. Donc, ça a été, comment dire, très compliqué. Très compliqué. Oui, oui, oui. Surtout moi au début. Parce qu'il faut savoir que Joss, en fait, est venu avant. Donc, à dérouler. Partir, en gros, du moment où je suis arrivé. J'ai plus touché. Il a plus touché. C'était plus comme avant. C'était plus comme avant. Non, mais après, le truc, c'est qu'on a eu du monde qui sont venus sur notre aile. Donc, pareil, qui pratiquait une pêche de longue distance. Pas autant que Joss, quoi. En fait, il aurait fallu que nos places soient inversées. Que moi, je sois sur une aile, pêcher à courte distance. Et lui qui pêche au milieu, qui pêche plus loin que tout le monde, en fait. Ça aurait peut-être mieux marché. Mais bon, on avait déjà amorcé les spots et tout. Du coup, on a laissé comme ça. Puis du coup, on a quand même réussi à faire nos départs, quoi. Là, on est à 7 départs chacun. Sauf que lui, il a un taux de réussite de 100%. Bah, 100%. Moi, je suis à 7 départs, 4 poissons. Voilà. Je fais une casse et deux décroches. Donc voilà, Joss est en train de m'apprendre la pêche à longue distance. On vous avait déjà fait une vidéo sur la pêche en gravière. On est sur la même gravière, on pratique à peu près la même pêche. Donc Joss va vous expliquer un peu comment il voit, lui, sa pêche. Donc moi, j'ai beaucoup amorcé à la farine. Donc j'ai envoyé pas mal de bombes depuis que je suis arrivé. 48 heures. Ouais, ça fait 48 heures où je vide un seau par jour, quoi, de farine. Donc vous voyez, hein, les seaux comme ça. Là. Les rameaux. Ouais, voilà. Donc c'était particulièrement du chien de vie, de la farine, un peu de tailleur. Et le résultat n'est pas là. Hein. J'ai voulu faire rentrer les petits poissons, donc ils sont pas rentrés. Donc je fais comme tout le monde ici. Je pêche à la wall again, beast to fly. Tu lances ta canne, t'amorces. Et bah, la plupart des départs, on a fait comme ça. Ou sinon, avec une canne posée. Je pense que je suis entre 140 150 mètres quand même. C'est quand même loin. Je sais pas du tout, faudrait qu'on mesure. Faudrait que je clip. Donc voilà, à cette distance, avec une pop-up flottante et la moitié des départs se sont faits dessus. Hein. Bah, sachant que ouais, t'es avec du coup à 90-100 grammes, t'as une grosse canne, du 28 centièmes, tu mets un petit tapot, ça te freine pas trop lors du lancer, ouais, tu dois bien être au moins, ouais, alors, je dirais 140. Déjà hier, on était à 126 mètres aux pompes, juste en lançant comme ça, donc je pense qu'à la canne, ouais, je fais bien peut-être 40, ouais, peut-être 20 mètres, 30 mètres de plus. Ouais, je dirais 140, moi. Ouais. Donc voilà. 140. Mais bon, le spot spombé. Ça a rien fait. Hein. Ouais, ça par contre, on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi en fait. Aucun poisson n'est rentré dessus. Donc il a vraiment se bombé, pourtant il a mis de la micro-particule donc pour attirer le blanc à la base, quoi, je veux dire, pour que ça fasse une grosse activité et pour ensuite que les carpes suivent, quoi. Mais même ça, eh ben, ça n'a pas attiré le poisson. J'ai mis de la bille au milieu. J'ai peut-être mis 500 grammes de bille au milieu pour au moins garder les carpes s'il y en avait qui passaient. Connard, ouais. Je sais pas. Et les poissons sont pas du tout rentrés dessus, c'était la galère sur ce spot là. Ouais, c'est vrai. Donc la technique qui marche sur le mieux, comme il dit Joss, c'est vraiment, moi c'est pareil, il m'a appris un peu à... En gros, j'ai monté une canne plus puissante parce que vous savez que je pêche beaucoup en 10 pieds.
J'ai une autre canne en réserve, une 12 pieds 3 livres. Donc il m'a fait mettre une tête d'arraché en tresse. Donc par-dessus mon 28 centième pour pouvoir mieux arracher dans la canne. Donc il m'a appris un peu les techniques de lancer, tout ça. Et donc c'est vrai que ça faut être plus fort, quoi. J'arrive à atteindre en gros 120 mètres. Alors qu'avant, déjà, tu me faisais atteindre 100 mètres, 110 mètres, tu galérais comme un con, quoi. Donc et encore, faut que je travaille encore les lancers, quoi. Je pense que je peux attirer encore un peu plus loin, mais faut que je travaille encore au lancer, peut-être augmenter la taille du plomb, j'en sais rien. Mais donc c'est cette canne qui déroule, depuis que je l'ai mise, elle a refait 2-3 départs. Donc c'est cette canne qui déroule, là j'étais, je vous dis, je peux pas amorcer moi, parce que j'ai pas de canne à ce bon, au cobra j'amorce à 80-90 mètres. Et après j'ai ma canne à longue distance, elle pêche à 120 mètres, et j'amorce pas quoi, je veux dire quoi. Et c'est cette canne qui parle plus souvent. Et après pareil, j'ai une autre canne donc, qui pêche donc 80-90 mètres, et j'espace à mort l'amorçage. Donc sur peut-être 200 mètres carrés. Donc oui, le chiffre paraît impressionnant, mais quand on y pense, ça fait que du 20 mètres sur 10. Hein. Vous faites 20 mètres, un carré de 20 mètres par 10, enfin un carré, un rectangle, excusez-moi, de 20 mètres par 10, et ça fait 200 mètres carrés quoi. On disperse bien les billes, histoire de faire circuler le poisson quoi, enfin de faire bouger le poisson, et puis on jette là, et ça tape comme ça. Et dès qu'on commence à faire des spots un peu plus précis, on a plus de mal à faire du poisson. On va pas dire que ça déroule pas, mais... Surtout qu'on se coupe pas la pêche. On se coupe pas du tout la pêche. Donc, peut-être un peu ceux de toi là qui doivent couper un peu, mais... Oui, voilà, ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'on se coupe pas trop la pêche. Mais c'est quand même, ouais. C'est quand même hard, on sait pas trop. Bah, après, on a quand même fait 7 départs chacun, donc bon, on n'est pas non plus à plaindre, quoi, je veux dire, on n'est pas à plaindre. Mais... Voilà. Donc, que dire de plus? On va vous mettre... Il fait chaud. Voilà. On a pris des bonnes couleurs. Ah ouais. Bon, moi ça me chauffe là, en plus sortant du coiffeur, hein, vous avez l'habitude de me voir avec la grosse barbe, les cheveux comme ça, j'avoue que ça me chauffe un peu. Ouais. Mais sinon, que dire de plus, on va vous montrer les quelques poissons, on vous prévient, il n'y a rien de gros, mais quelques petits poissons sympas, quoi, des petites miroirs un peu rondelettes, tout ça avec des petites écailles au milieu du ventre, des choses comme ça. Des choses comme ça, des communes, pas bien grosses, toujours pareil, mais tout en longueur. Qui font des bons petits départs, des petits combats, des rushs sympas. Tranquille. Voilà. Donc voilà. Donc sur ce, bon visionnage. Et puis à plus les amis. Allez, à la prochaine. Ça suffit. Fais dodo. Fais dodo. Voilà mon petit flair. Fais dodo. T'as là du cacao. Ah non, c'est du chocolat chaud, non? Gentil, gentil. Doucement. Ah non, pas, elle bouge plus.